J'habite au 64 rue du Zoo. Et on peut dire que j'ai des voisins vraiment très spéciaux. Regardez! Certains ont une bosse et d'autres une poche. Il y a même un hippo un petit peu trop gros. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Dans les pays chauds ou chez les Esquimaux, ils jouent les idiots sous toutes les météos. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Ils sont joueurs, ils se font peur. Troupeau de zigotos, drôle de méli mélo. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. De bonne humeur, toujours à l'heure. Ils viennent tous chaque soir raconter leur histoire. Quand vient la nuit, jamais je ne m'ennuie. Ils sont tellement rigolos. Venez voir mes héros. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Rue des eaux, rue des eaux. D'accord, maman. L'histoire de Toto le tatou. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances, Lucie? Je pense que je vais partir en colonie de vacances. En colonie de vacances? Oh, ça a l'air abusant, ça. On peut venir avec toi? C'est seulement pour les enfants, gros bêta, pas pour les singes. Et puis, de toute façon, j'ai pas vraiment envie d'y aller. Ah bon? Pourquoi? Il y aura sûrement des enfants plus vieux et plus grands que moi. Certains auront peut-être même 8 ans. Mais c'est agréable de se faire de nouveaux amis. Je ne sais pas. Et si les autres ne voulaient pas jouer avec moi? Je suis sûre qu'ils voudront. Tu sais, des fois les grands peuvent être petits, et les petits d'autres fois peuvent être grands. Qui a dit ça? C'est moi. C'est une balle? Une balle qui parle? Oh. Et non, c'est moi, Toto le tatou. Veux-tu écouter mon histoire? Oh oui, s'il te plaît. Alors assieds-toi confortablement. Un jour, je grimpais au sommet d'une montagne. Comme tous les tatous, je suis très bon en escalade et encore meilleur dans les descentes. Dans la vallée tout en bas, je pouvais voir Jean-Jacques le jaguar, Léopold, le lama et Dodo, le paresseux. Ils se préparaient pour une partie de football. Ah, j'avais bien envie de jouer, moi aussi. Oui, oui. Bonjour. Non mais regardez qui est là. Oh, c'est Toto. Toto, le toutou. Je ne suis pas un toutou, je suis un tatou. Mais qu'est-ce que tu fais là, Toto? Tu cherches ta maman? Je veux jouer au football. Toi? Jouer au football? Ça me fait pas rire. Oh, tiens, attrape ça. Ah, tu vois, Toto, tu peux pas jouer au football. Le football, c'est pour les grands animaux seulement. Les animaux comme nous. Et certainement pas pour les petits toutous. C'est tatou qu'on dit. Alors je suis restée tranquillement assis à regarder les autres jouer. Hop. Attrape. On n'a plus de ballon. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bougez pas, les gars, j'ai une idée. Toutou, tu voulais jouer au football, n'est-ce pas? Eh bien, maintenant, tu peux. C'est vrai? Merci! Oh, merci! Et dans quelle équipe je suis? Je peux être dans ton équipe, s'il te plaît? Mais tu vas être dans aucune équipe! Tu vas être... Le ballon!
Mais j'ai pas du tout envie d'être le ballon. Écoute, si tu acceptes de faire le ballon cette fois-ci, la prochaine fois, tu joueras dans mon équipe. Ah, d'accord. Ouais, but 1-0. Oh ben non, dis donc, c'est pas du jeu. Tu es peut-être allé te faire dorloter par ta maman. Oh, achou. Oh, un partout. Et les gars, regardez-moi. Oh, achou. Oh, il fait tout noir là-dedans. C'est le genre d'endroit où on trouve des monstres. Et Toto est à l'intérieur, hein, il faut qu'on le sorte de là. Après tout, c'est qu'un tout petit animal, alors que nous, on est grands et courageux, non? Oui, il faut qu'on aille le sauver. Mais pourquoi vous regardez comme ça? T'as qu'à y aller, toi? Moi? Mais, pourquoi moi? Vas-y, toi. Non, non, toi. Toi? Toi. Toi! Arrêtez! On va tirer la courte paille! Léopold tira la paille la plus courte. Allez, vas-y! Bonsoir! Toto! Tu m'entends? Maman, c'est quoi? Il y a un horrible monstre dans la grotte, énorme, féroce, avec des grandes dents et un rugissement terrible. Après lui, c'est toi qui as tiré la paille la plus courte. Je vais me charger de ce monstre. Maman! Ben... Oh. J'ai l'impression que c'est mon tour. Dodo resta à l'intérieur de la grotte pendant très longtemps. Maman! Ah! Il faut qu'on y aille ensemble, les gars. Comme ça, on n'aura pas peur. Et c'est ce que firent Jean-Jacques, Léopold et Dodo. Arrête de faire du bruit. Léopold! Je m'empêcher, j'ai les genoux qui collent. Regardez, quelque part là. Toto, est-ce que ça va? Tu vois? Ah, n'aie pas peur, Toto. On va te protéger contre ce monstre. Un monstre? Quel monstre? Le monstre féroce au rugissement terrible. Je dois être là tout près. Ce n'est pas un monstre, idiot. C'est l'écho quand j'éternue. Vous voyez, vous n'aviez pas peur de moi quand même. Je ne suis qu'un petit animal alors que vous, vous êtes tellement grand. Oui, c'est encore l'écho. C'est l'écho. Alors, on est tous sortis et on a joué au football, mais cette fois, je n'étais pas le ballon. Ouais! Hop!
À moi. Ah ben non, oui. Oh là là. Vas-y, bravo. Il est l'heure d'aller au lit. Rappelle-toi, demain tu pars en vacances. Bonne nuit, Toto. Bonne nuit, Lucie. Au revoir.